Bonjour à toutes et à tous, je vais vous parler du complexe de la sorcière d'Isabelle Sorrente que je vous présente ici. Voilà. Déjà, c'est quoi? Eh bien, en fait, c'est un petit peu difficile à dire. Moi, je dirais que c'est un essai coupé d'autobiographie, on va dire. Elle nous parle des sorcières, elle nous parle d'un rêve qu'elle a fait et de toute la quête et l'enquête qu'elle a menée suite à ça. Alors, petit détail qui vous servira sûrement si vous lisez pour resituer sa période, elle est née en 72. J'avais à peu près calculé qu'elle devait être née au début des années 70, mais ça va servir pour le contexte, pour comprendre le contexte de l'époque où elle parle de son enfance. On est sur ouais, la fin des années 70, plutôt 80 même. Alors, quand je mets des... Moi, j'appelle ça des marques tacitation à cause de Danny Boone qui avait parlé des marques tapage. Voilà. Tous les horizontaux, en fait, chez moi, ils correspondent à, hop, par exemple, celui-là, ils vont correspondre à une phrase, un paragraphe, une citation que j'ai trouvé intéressant. Quand c'est des verticaux, comme ici, c'est toute la page, voire la page d'après, que je considère comme intéressant, c'est plus un concept généralement. Et les codes couleurs, la plupart du temps, il n'y en a pas, sauf dans certains livres. Et là, c'est qu'il y a du orange parce que je suis tombée à court de rouge, j'en avais plus. Voilà. Mais dans certains livres, ça m'est arrivé de mettre des post-it avec un code couleur, mais pas sans dans ce type de livre. Plus sur des livres techniques où j'ai vraiment besoin de retrouver le concept, l'outil, le machin, le temps que ça devienne assez à partir de mon cerveau, quoi. Donc voilà. Je vais vous lire quelques passages, mais avant de faire ça, je vais vous expliquer un peu l'idée générale. L'idée générale, c'est que les femmes aujourd'hui actuelles sont encore marquées dans leur psyché, dans leur rapport au monde, dans leur capacité à prendre leur place, la parole, à s'imposer, à se montrer aussi publiquement, sont encore marquées par un imaginaire collectif et une transmission plus ou moins consciente de ce qui arrivait aux sorcières, de ce qui arrivait en fait aux femmes qui étaient indépendantes, veuves, cultivées, intelligentes, capables, qui avaient potentiellement aussi du pouvoir, que ce soit une beauté physique ou que ce soit des connaissances en herboristerie, une sagesse, quoi que ce soit, c'était très très mal vu, puisque certains hommes voulaient se réserver absolument tous les pouvoirs, y compris les pouvoirs sur les femmes. Dans notre imaginaire, ça fait que s'exposer, diriger, prendre la parole, prendre de la place, c'est dangereux. Elle parle aussi de certaines choses comme la pesée, le poids et tout ça, que en fait justement dans l'Inquisition, elles étaient pesées et comparées à une Bible. Et même si les Bibles de l'époque, on était avant l'impression et tout ça, on était à peu près au moment de l'imprimerie, justement, c'était un des problèmes, c'est que le Maleficum mali... celui-là, je leur dirai après, j'ai toujours du mal à dire les mots que je prononce peu souvent. Ça, même si ça pesait une vingtaine de kilos, la symbolique est importante, on est comparé, on est pesé littéralement pour savoir ce qu'on vaut et si on va pas mourir. Il y avait la noyade aussi, jetée à l'eau plutôt, si elle se noyait, bon bah elle était innocente, c'est ballot, et puis si elle s'en sortait, bah elle était coupable et on la cramait. Voilà. Ça commence assez mal hein, comme idée pour s'en sortir. Hein. On n'est pas bien barré avec ça. Et en fait, elle se réfère. Alors, moi, ça m'a gênée puisque non seulement je suis pas du tout dans l'orientation psychanalytique, mais en plus, j'aime pas ça. Elle se réfère beaucoup à des orientations psychanalytiques. Mais ça passe. On peut le supporter, vous inquiétez pas. Pareil, elle se réfère à Hanselin. Ancelin, Anne-Marie, je sais plus si c'est un S ou un C, Ancelin qui est une référence, celle qui a écrit Aïe mes aïeux et tout ça, en psychogénéalogie, c'est pas du tout mes cadres de référence, mais il y a quand même des choses intéressantes. Voilà. Ça c'était pour la petite note. Ah, dans la psycho, il y a des trucs que j'aime pas. On peut passer outre, le propos reste très intéressant et bien écrit aussi. J'ai oublié de le préciser, c'est bien écrit. Donc effectivement, le Malleus, Malleus,
Maleficarum est publié pour la première fois à Strasbourg en 1487. Et justement, il a été réédité. Donc c'est important que, je dirais que souvent, de nos jours, on a l'impression, enfin, on parle de sorcières, on pense à Salem, on pense aux États-Unis, on pense aux puritains, etc. Non, non, y a une énorme base européenne. Strasbourg, enfin, moi je suis à Nancy, c'est juste à côté, quoi. C'est notre région, c'est le Grand Est. Il y a eu la Rhénanie, y a eu toute l'Europe. Donc, non, c'est vraiment marqué dans notre coin. Ma grand-mère, un rebouteux lui a proposé de prendre la succession parce qu'il lui disait que de toute sa vie, c'était la seule qu'il avait trouvée qui avait le fluide. Et elle était mariée à ce moment-là, et son mari lui a dit non, non, je veux pas que tu fasses ça, ça sent le soufre. Donc c'était ça, hein. Donc enfin, ma grand-mère, c'est pas si loin que ça, quoi. C'est encore marqué dans les esprits. Non, dangereux. Bon, après, quoi qu'on pense, hein, de guérison ou de choses comme ça. Et c'est assez intéressant de voir son point de vue, de voir comment elle relie ça à ses rêves, à son histoire personnelle, à son histoire familiale, à ce qu'elle a vécu dans son enfance aussi. Et notamment, c'est pour ça que je vous disais que c'est important de le recontextualiser dans les années 70, 80, jusqu'à 90. On n'est pas du tout sur les mêmes choses que ce qu'on peut voir maintenant, par exemple, en termes de harcèlement scolaire, où ça déborde, ça utilise Internet, ça utilise ce genre de choses. Par contre, il y avait déjà énormément de violence à l'époque, bien sûr, mais les formes ont pu quand même, sur certains aspects extérieurs, évoluer. Elle va aussi parler de deux amies à elle, donc elle se retrouve en fait à trois femmes, c'est ça, trois, quatre, à parler de ça, et les autres points de vue sont aussi très riches et très intéressant. Tout à la fin, c'est uniquement centré sur le retour des trois femmes entre elles. Et justement, là, elles vont beaucoup évoluer avec ça. Et elle va parler d'un craquement de la conscience. C'est le fait d'être brisée. Et elle fait la comparaison justement par rapport à 1984, où à la fin, le héros trahi, mais trahi pleinement, c'est-à-dire que c'est pas juste dénoncer, c'est son émotionnel jusqu'au plus profond de sa psyché, il l'a trahi. C'est cette brisure complète et interne qu'elle appelle craquement de conscience et qui fait que ces femmes accusées, au bout d'un moment, sous la torture, sous le fait d'être poussé à avouer, mais on sait que tu l'as fait, dis-le, dis-le, elles finissent par y croire. Pas seulement par avouer, mais par y croire, par être brisées jusqu'au plus profond de ce qu'elles sont, jusqu'au plus profond de leur identité. Et elle fait le parallèle avec nous actuellement, les risques qu'on prend, ces peurs qui nous empêchent de nous montrer, d'être nous-mêmes. Et également, c'est marrant parce qu'il y en a qui l'appellent le démon ou le petit démon, cette petite voix intérieure qui nous parle et qui nous saborde, qui nous insulte, qui nous maltraite, elle va l'appeler l'inquisiteur. Ce qui n'est pas forcément non plus inintéressant hein, comme appellation, l'inquisiteur, le démon. C'est assez marrant d'ailleurs qu'on donne ce type de nom à cette même petite voix qui nous fait du mal, qui nous dit tu devrais pas faire ça, non, tais-toi, chut, non, t'es nul, tu vaux rien, t'y arriveras pas. Vous voyez cette sale petite voix là? Et en fait, pour elle, ça va être comme le fait d'avoir intégré l'inquisiteur à l'intérieur de nous, la sorcière. C'est un peu ce qu'on retrouve dans certaines approches psychanalytiques du masculin et du féminin. Moi, je rappelle, hein, je ne suis pas du tout dans ce trip-là. Et bien là, c'est un peu l'intégration à l'intérieur de soi, de la sorcière et de l'inquisiteur comme deux facettes de soi, en fait. Ce que j'ai trouvé aussi intéressant, là, le rappel, c'est que en 2 siècles en Europe, il y a eu 200 000 femmes qui ont été accusés, c'est juste, mais énorme par rapport à la population de l'époque.
Et il y a eu 200 000 femmes accusées au moins, il y en a eu 100 000 qui ont été condamnées. 100 000 par rapport à la population de l'époque, c'est juste énorme. Mais ça veut dire que on compte pas celles qui se sont carapatées juste avant de sentir venir la cabale, celles qui se sont suicidées, etc. C'est-à-dire qu'il y a eu énormément de... Puis celles qui ne sont pas passées en jugement, mais c'est la rumeur et les gens, les mouvements de foule qui les ont tuées. Donc 200 000 accusés officiels et la moitié qui ont été condamnés, c'est gigantesque. Donc il y a de fortes chances qu'on ait des ancêtres concernés par ça directement. Et même si on n'a pas été concerné, enfin, au point de vue de l'imaginaire collectif, c'est énorme. Donc on est marqué par ça d'une manière ou d'une autre, ça fait partie de notre histoire et de l'histoire qui se transmet. Alors, encore une fois, de manière plus ou moins consciente. Voilà, elle explique aussi, elle, ses origines, elle a de la famille en Tunisie, de la famille en Italie et en France, donc. Et ses grands-mères, ah bah oui, tunisienne et alsacienne. J'y pensais parce que justement, ma grand-mère alsacienne, j'ai eu les mêmes... Je me suis dit, merde, ça me fait penser à ma grand-mère. Voilà. Oui, bien sûr, bien sûr. Il y a eu ces transmissions assez importantes et c'est vraiment bien fait ce livre. Je vais regarder en vitesse si je vous trouve des passages à vous lire. L'impuissance, telle est la malédiction des survivants. Les chasses aux sorcières ont tué des milliers de femmes et ont privé les survivants de cette force secrète, inexplicable, qui nous assure que nos sentiments, nos émotions ont un pouvoir sur l'extérieur et que cet ordre des choses, si écrasant, si fatal en apparence, pourrait n'être qu'une illusion. Alors, ce passage-là, c'est aussi quand elle parle des conséquences sur les hommes. Voilà, ça m'intéressait moins. Mais de toute façon, ça a marqué tout un peuple. Qu'on ait été homme ou femme et qu'on soit homme ou femme, cet imaginaire de la sorcière fait partie de notre culture européenne. Dans d'autres pays du monde aussi, c'est marqué. Ensuite, elle parle des chasses aux sorcières. Et justement, c'est un peu sa conclusion quelque part. Aller chercher la sorcière en soi vaut le coup. Les bêtes noires valent le coup. C'est en soi qu'il faut réconcilier la sorcière et l'inquisiteur, nulle part ailleurs qu'en nous-mêmes, parce que nous sommes les deux, parce qu'ils nous hantent. Ils nous hantent tous depuis la mise à mort de milliers de femmes accusées de voir des choses qu'on n'avait plus le droit de voir. Je suis pas forcément 100% d'accord avec, mais je trouve ça intéressant. Et il y a vraiment un énorme cheminement intérieur qui vient être exposé, même disséqué dans son approche. Et elle parle aussi du fait de pouvoir dire non, est-ce qu'on en a la liberté? Il aura fallu l'apparition d'une sorcière, donc dans son rêve, pour que je fasse le lien entre ce nom qui sauve et la connaissance des femmes chassées, connaissance qui s'offre mystérieusement aux enfants rejetés. À part ça, impossible à capturer, analyser, disséquer, etc. Et elle parle aussi, elle était en psychanalyse hein, pendant ce moment-là, donc elle va parler de la psychanalyse, etc. Elle va parler également de moyens de défense, comme utiliser une image d'être un miroir. Quand on nous envoie des choses très négatives, d'être un miroir et la personne elle récupère ce qu'elle a envoyé, nous on n'est pas touché par ça. J'avais trouvé cette image très pertinente et très beau, très très belle image, à mon avis très efficace en défense de soi. Et je regarde un peu si je vois des petits morceaux qui pourraient vous parler. Il y avait aussi la différence dans les relations de couple et dans l'amour, où le danger, il n'est pas du tout le même hein, pour un homme et pour une femme. Et elle dit ce sentiment d'angoisse, de péril, parfois ce danger bien réel, de perte d'identité me semble la principale différence entre une femme amoureuse et un homme amoureux. Au moment où j'écris ces lignes, je suis convaincue qu'il est lié aux chasses.
C'est vrai qu'on risque beaucoup plus gros, que ce soit de manière symbolique, hein, ou réelle et concrète, on risque beaucoup plus gros en tant que femme à se mettre en couple qu'un homme. Et là, justement, elle fait référence aussi à un moment donné, il me semble, à Virginia Woolf, à Une chambre à soi. Et c'est très juste, il nous faut cet espace personnel, il est vital, il est nécessaire. Je vais vous lire deux passages, trois passages peut-être. Dans ces moments-là, il lui semblait qu'une énergie insoupçonnée l'envahissait. Mais tout de suite après, elle avait honte d'être trop forte. Il y avait quelque chose en moi, dit Sarah, quelque chose qui détestait ma force, un discours haineux me faisant toujours le même reproche, me donnant toujours le même ordre, tu es trop forte, rentre dans le rang, sois fragile ou fais semblant. Je commençais à me rendre compte que tout était lié, les kilos que j'avais à perdre, ce manque de fragilité dont j'avais l'impression qu'il faisait fuir les hommes, et ces fringales de sucre, chaque fois que j'échouais à faire semblant d'être une fille romantique, à minauder, à envoyer de longs SMS sirupeux, à me taire en réunion, parce que j'en savais plus que les autres, à dire à mon amant qu'il m'avait manqué, à faire semblant d'être désemparée lorsqu'il boudait. Toute cette comédie échouée pour moi. Je parlais quand il ne fallait pas, je ne disais rien quand j'aurais dû parler, j'avais beau faire le rôle de la fille romantique, la fille qui attend son prince charmant pour que sa vie prenne tout son sens, ce rôle ne prenait pas. Celle pour qui le rôle ne prenait pas les grandes gueules, les mégères attachées nues sur un âne, promenées à travers les rues avec une muselière sur le visage. Ces femmes trop fortes qui n'avouaient pas, dont l'esprit ne cédait pas. C'est par rapport à ce qu'elle dit plus tôt dans le livre sur le craquement de la conscience, et justement sur le fait que le but c'était de briser en fait ces femmes, c'était de les briser avant tout. Et qu'au final, ça nous fait avoir comme transmission, ça nous fait avoir terriblement peur de notre propre force. Elle le dit un peu plus tard, ne plus avoir honte de sa propre force. Tout à la fin, en conclusion, combattre le mal par le mal, guérir le mal par des sortilèges et des moyens habiles. La mise à mort de milliers de femmes durant les grandes chasses était aussi une tentative d'assassinat psychique, visant les mortes et les survivants, visant à éteindre tout désir, toute faculté de voyage intérieur, visant à détruire jusqu'au souvenir du désir. Mais cette tentative a échoué, comme si l'expérience de la chasse était indissociable d'une autre expérience, celle d'une puissance de création et de guérison bien plus radicale, résistante et tenace que le mal lui ait fait. Et me voilà plus optimiste encore à la fin de cette histoire qu'au début, ressentant ce que j'ai ressenti si souvent durant mon adolescence, ce sentiment que les histoires ne se succèdent pas, mais communiquent entre elles. Comme si le souvenir de la femme chassée libérait nos ancêtres, réparait les fractures, les blessures, les craquements. Comme si notre mémoire avait le pouvoir de modifier le passé en le déployant sous les plis d'une cape. Et c'est ça qu'elle nous transmet dans le livre. Et c'est ça que j'ai particulièrement aimé, que j'ai trouvé beau et qui m'a aussi beaucoup aidé à comprendre certains mouvements modernes. Certains avec lesquels je soutiens à fond et d'autres que je regarde un petit peu plus pour voir, je comprends pas tout. Mais je sais pas si vous avez remarqué, il y a beaucoup de femmes qui font un retour à la terre, beaucoup d'ésotérisme, de recherches chamaniques, des énergies, de sorcellerie, de magie, etc. Et je pense que c'est une manière de renouer en fait et de faire la paix un moment où il y a peut-être besoin justement d'explorer. Qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas, qu'importe scientifiquement, je pense que je viens de comprendre, même si je me trompe peut-être, ça se joue pas vraiment forcément au niveau de est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, est-ce que ça marche et tout ça est scientifique ou pas. D'ailleurs, je pense que sincèrement, ça l'est pas, scientifique, hein. Mais par contre, je pense que ce qui se joue, c'est
une pacification avec notre passé et s'autoriser à explorer pour pouvoir redécouvrir notre pouvoir d'agir sur le monde, notre pouvoir d'agir sur notre vie. Et ça me parle. Du coup, mon regard aussi sur ces pratiques pourrait être amené à évoluer grâce à ça. Et je trouve ça vraiment passionnant. Ce que je vais faire, c'est essayer de vous retrouver un texte que quelqu'un m'avait envoyé et je vais vous le lire. Je l'ai retrouvé, c'est bon. Ah, je sais que je l'ai gardé, mais je ne savais plus où il était rangé. J'avais plusieurs rangements possibles. Et ce texte, il est magnifique. Et c'était énorme parce que quelqu'un me l'avait envoyé en me disant ça m'a fait penser à toi. Et je l'ai lu, j'ai fait bon, ça se coud, c'est émotionnellement très fort. Et ce livre m'a fait penser, bon bah effectivement, au livre qu'elle mentionne, 1984, Une chambre à soi de Virginia Woolf. Également un bouquin qu'elle n'a pas cité, que je suis en train, mais que j'ai pas sous la main. Le poids, un enjeu féministe. Je vous en parlerai dans une autre vidéo. Mais là, on va reprendre ce poème. Ma peur la plus profonde n'est pas que je ne sois pas à la hauteur. Ma peur la plus profonde est que je suis puissante au-delà de toute limite. C'est ma propre lumière et non pas mon obscurité qui m'effraie le plus. Je me pose la question. Qui suis-je moi pour être brillante, talentueuse et merveilleuse? En fait, qui suis-je pour ne pas l'être? Je suis une enfant de Dieu. Me restreindre et vivre petite ne rend pas service au monde. L'illumination n'est pas de me rétrécir pour éviter d'insécuriser les autres. Je suis née pour rendre manifeste la gloire de Dieu qui est en moi. Elle ne se trouve pas seulement chez quelques élus, elle est en chacun d'entre nous. Au fur et à mesure que je laisse briller ma propre lumière, je donne inconsciemment aux autres la permission de faire de même. En me libérant de ma propre peur, ma présence libère automatiquement les autres. Alors j'avais complètement oublié les références à Dieu. Donc moi je suis pas du tout croyante. Mais je pense que voilà, voilà, je sais pas, vous verrez, je suis une enfant de Dieu. Oui, moi pour moi on n'est pas né pour quelque chose non plus. Je vais le relire. Et cette fois je virai effectivement. Je sais pas. Qu'importe. Ou pas virer, je sais pas. Je sais pas, ouais. Je tendance à prendre ce qui fonctionne. Et je pense que le plus important, c'est quand on s'autorise à se laisser briller, ce final, au fur et à mesure que je laisse briller ma propre lumière, je donne inconsciemment aux autres la permission de faire de même. En li me libérant de ma propre peur, ma présence libère automatiquement les autres. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on constate quand on est enferré dans les peurs. On le sent quand les autres sont pas à l'aise. Et un groupe de gens pas à l'aise entre eux, s'il n'y a personne pour venir désamorcer en disant « Oh tiens, alors, personne n'est pas à l'aise, c'est marrant !» Et foutre un peu le doigt sur le problème, généralement, ça peut rester inconfortable très longtemps. En anglais, il me semble, il y a une expression comme ça. C'est quand il y a un sujet évident auquel tout le monde pense, mais qu'on ne doit pas aborder. Et l'expression, c'est genre, il y a un éléphant au milieu de la pièce. Voilà. Et souvent, nos peurs d'être nous-mêmes, c'est un putain d'éléphant au milieu de la pièce. Let's go. Alors. Ma peur la plus profonde n'est pas que je ne sois pas à la hauteur. Ma peur la plus profonde est que je suis puissante au-delà de toute limite. C'est ma propre lumière et non pas mon obscurité qui m'effraie le plus. L'illumination n'est pas de me rétrécir pour éviter d'insécuriser les autres. Au fur et à mesure que je me laisse briller, au fur et à mesure que je laisse briller ma propre lumière, je donne inconsciemment aux autres la permission de faire de même. En me libérant de ma propre peur, ma présence libère automatiquement les autres. Voilà, donc je trouve que ce poème qui n'est pas dans le bouquin
va bien avec. Et je vais vous quitter après ces 25 minutes à peu près. Je vous rappelle le titre, le livre d'Isabelle Sorrente, Le complexe de la sorcière. Moi, je le rangerai au niveau essai. Il y a de l'autobiographie, il y a de la recherche historique également. L'écriture est bonne. Pour moi, il est tranquille à 4 étoiles sur 5, 4,5 sur 5. C'est rapide, c'est court. Alors, je n'ai jamais visé pour vous montrer l'épaisseur des trucs. Ça se lit vite, c'est rapide, c'est court. Je l'ai mis en 2 jours en faisant des pauses tranquilles, en faisant autre chose en même temps. Je vous souhaite de laisser briller votre lumière intérieure et d'avoir toutes les parties de vous qui, même si elles ne sont pas toujours d'accord, ça c'est obvious. Au moins qu'elle soit à peu près en paix et OK pour communiquer. Bye bye!